Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette nombreux, cette deuxième édition des rencontres de l'UACV. Je tiens à remercier, vous avez été élus, la mairie, bien sûr, Jean Bousquet, les élus de Bousquet, le département, les gens de l'art. Merci à tous d'être là. Et puis, Laurence Bois, Jean Rodé, Isabelle Bousquet, voilà, tout le monde est là pour soutenir aussi ce projet. D'avoir répondu présent. C'est un projet qui, cette rencontre, cette émission, s'inscrit dans le cadre de notre projet, qui est un projet qui dépasse le simple cadre de l'UI. On a envie que l'UI serve à la maison ensemble en général, donc à s'ouvrir sur des choses différentes, de faire découvrir des choses à travers l'UI, soit pour les petits ou les grands. Et voilà, on souhaite que tous ceux qui font partie de ce projet soient acteurs de ça, de cette ouverture. Et du développement par leur guise. On avait eu la chance d'avoir Laurent Travers pour la première édition. Il était un local. On a un deuxième local pour cette deuxième édition. C'est vraiment un grand honneur. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer dans mon cadre de travail. Et c'est pas seulement un grand joueur, c'est pas seulement quelqu'un brillant non plus professionnellement. C'est surtout quelqu'un très attachant. Évidemment, vous connaissez tous Thierry Sautoir par ses 80 sélections de l'équipe de France, dont une bonne cinquantaine comme capitaine. Il y a quelqu'un qui était 5 fois champion de France, champion d'Europe. Les clubs, il est passé par les 5, pour commencer, je crois. Périgueux, Aigle, Colomiers, Toulouse, Paris, avant Toulouse. C'est quelqu'un qui a marqué tous les adversaires qu'il a affrontés, mais aussi tous les coéquipiers qu'il a eus, par son engagement, son investissement, son terrain, mais aussi une forme de recul par rapport à son sport qui est toujours intéressant à creuser. C'est quelqu'un que j'admire pour ce qui est humainement, d'abord, avant même sa carrière. Et c'est un grand honneur qu'il nous fait ce soir de rendre ici la terrasson. Et je demande à accueillir Thierry de Sautoir.
accueilli par la mairie de Carson, qui appartient à ce cinéma, que je vais découvrir toute la semaine, avec des gens très dynamiques et avec une belle programmation. Jean. Moi, je vais peut-être donner des questions, je vous en bon, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Comme le disait Benoît, nous sommes très honorés, très heureux de vous accueillir, Thierry Alcarazon. Très honorés de voir votre exceptionnelle carrière artistique et votre personnalité. Lorsqu'on vous écoute, vous paraissez toujours très calme, posé. Alors que sur les terrains, dans l'intimité, je crois qu'on vous appelait Titi, et sur le terrain, on vous surnommait le sécateur. Allez savoir pourquoi. De plus, vous êtes ici ce soir pour une très belle histoire humaine, dont vous êtes l'initiateur, bien en accord avec vos règles de vie. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. C'est un réel plaisir de vous recevoir à l'occasion de la deuxième édition des rencontres de l'UST, ce club si cher aux terrassonnaises et terrassonnés, et à cause des hauts, des moins hauts, mais il est sur la voie du renouveau. J'en profite pour remercier les organisateurs et les dirigeants qui veulent, qui ont su vous convaincre de venir animer cette soirée dans notre ville de Terrasson. La région vous est pas inconnue, vous êtes arrivé très jeune dans votre rôle, très vieux. Vous avez même joué à Trélissage, je crois. C'est vrai, c'est ça? Je ne vais pas repasser toute votre carrière sportive, il faudrait plusieurs jours. Mais moi, je l'ai dit, bon, excuse-moi, je vais mourir, mais simplement 96 sélections en équipe de France, 56 capitaines, je dis 50, c'est ça? 3 coupes du monde, 5 titres de champion de France, une coupe d'Europe, 7 de tournoi de destination dans le même entré, et meilleur joueur du monde en 2011. C'est bien ça? Etc, etc. À côté de ce très beau palmarès, vous avez fait de brillantes études. En 2005, vous devenez ingénieur du Journal National Supérieur de Chimie, Biologie et Physique de l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Dans tous les domaines, vous avez la même excellence. Je pense que ce soir, vous nous parlerez de votre parcours, de votre vie, qui est bien la preuve que l'on peut, en ayant une grande carrière sportive, s'assurer une reconversion dans les meilleures conditions possibles. Nous avons beaucoup à apprendre de votre expérience, afin que cela soit profitable à nos joueurs, aux jeunes, sur le terrain, mais aussi dans leur vie citoyenne et professionnelle. Merci Thierry pour votre présence. Belle soirée à tous. Je vous remercie. Jean l'a évoqué, il n'y a pas eu besoin de faire la dirigeante d'avoir entendu le métier, en fait, il n'y a pas eu besoin de prendre le métier, puisque c'est Cécilien qui l'a proposé lui-même. Et pourquoi il a proposé lui-même, vous allez voir pourquoi, en effet, il y a une belle histoire humaine derrière, et je vous invite à regarder ce petit extrait, je dirais si tu veux. Voilà. C'est de la saison 3 de Terrain favorable de la série sur la commande de 2017 avec Thierry. Plaquer là, c'est quoi ces qualités? Il défend à vitesse. On a vu ça sur quelques relances là, il y a du feu dans les gens. Zouzou, c'est l'un des pions forts de l'équipe. Zouzou, c'est le tournant le mou de l'équipe, pas par la taille, mais par la force, par sa rapidité, par ses plaquages. Ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est le 1 contre 1. Là, quand il a son 1 contre 1, 95 ou 100 il passe. Tu crades et puis là, c'est fini. Hein. La dernière fois, nous avons joué la Coupe régionale d'Afrique de l'Ouest de rugby à 7. On avait le final face à le Nigeria. Le match était un peu tendu. À la dernière minute, lors de la prolongation, le bal de feu,
Zouzou a fait un dernier essai que personne ne s'imaginait. Personne. On m'a donné une balle que j'ai commencé à dribbler. C'est le plus petit nom, mais soulevé, Zozo, commencé à chanter, tout le monde était content. Zozo, il vient de Divo, dans une petite ville de la Côte d'Ivoire. Il vient nous donner la coupe. C'est toi? Oui, c'est toi. Bonjour, merci. Ça va, merci. Tu viens souvent aider ta maman? Pendant les jours où il va à l'école, il vient ouvrir le magasin et il sort la marchandise en tant que moi je finisse mes petits travaux ménagers. Tu as des frères et soeurs? Des petites soeurs. C'est toi le grand, quoi. C'est lui le grand, c'est lui qui vient être sportif. Joueur de rugby. Chaque lundi, j'ai déboursé 15 000 francs pour son transport, aller et retour. Son déplacement, son hébergement, son alimentation. Moi, je lui ai dit que je n'ai plus d'argent, que je ne peux plus continuer. Il m'a dit, ah, maman, pardon. Tu as pas le pauvre, tu es orphelin. Tu es orphelin. Et le peu d'argent que je mets pour manger, tu prends, tu fais le transport, tu vas, tu joues. Bien, on vous donne les médailles en or. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a pas la reconnaissance, ça c'est assez compliqué, mais malgré tout, tu as la force de continuer à jouer, de bien jouer. Moi, je voudrais jouer en tant que pro. Je vais jouer dans un bon club. Si possible, aller jouer ailleurs. En tout cas, ma passion, c'est de jouer au rugby. Si le rugby le reconnaît, en tout cas, je serai content. Et aussi, c'est que son but est atteint. So please, never let me go. Yeah.
été touché, impressionné par la façon dont il a été accueilli ici. Une des premières choses qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est que ça faisait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Présentant dans la salle, il m'a dit bon, j'ai retrouvé ce centre de famille. Donc, j'avais été avec tout ce stress-là, du débarrassement, sur ce terme, parce que j'avais absolument dû plaire. Finalement, j'ai envie d'un signe pour aller chez lui. Et maintenant, en fait, il a retrouvé une nouvelle famille. Donc, je vous remercie. Je vais vous demander d'accueillir notre Zozo national qui est là. Je veux savoir que Zozo, quand il est arrivé, on allait chercher à la Rodrigue, Zozo il avait 10 ans en poche. Il s'est remis, il a remis sa vie entre nos mains. Donc le soir à l'entraînement, voilà, je vais demander Zozo. Le soir même, il y avait 4 mecs qui avaient mis pour manger des pizzas. Je n'avais plus parti chez eux. Voilà, j'ai fait une longue adresse. Je vous remercie parce que. Aujourd'hui, tu vas venir, mais je crois que tu te sens bien ici. Les amis, la famille, en Côte d'Ivoire, venir s'installer en France.
Périgueux, même pas en Lot-et-Garonne, à Périgueux. Donc on était un peu seul, isolé au niveau de la famille. Et aussi le fait de se sentir différent. Différent, c'est pas forcément une question de couleur de peau, c'est une question de. Vous avez remarqué, Zozo, il a un petit accent. Moi, j'ai l'avais autant. J'ai perdu depuis, mais j'avais le même. Et d'ailleurs, quand j'entends des niveaux, je vais aller reprocher. Ouais, je reproche un peu que ça, il me revient, même quand je parle avec ma mère, il me revient naturellement parce que c'est en moi, je veux dire, c'est pas des choses qu'on oublie. Mais les expressions, les dialectes, mais les expressions sont que bon, c'est les choses de façon naturelle chez moi. Voilà, ce qui m'a marqué, c'est surtout ça, c'est de me sentir vraiment différent, que ce soit sur la façon de parler, mais aussi au niveau culturel. Je me rappelle que. Vous m'adressez au maître à l'école, je me levais. Vous m'adressez à lui, je levais le doigt, je me levais, tout le monde me regardait comme si je venais de débarquer de la planète Mars, parce que ça ne se faisait pas ici. Donc ce choc culturel pour moi était assez important. Pourquoi le sport est lié à ce moment-là? Moi, le sport, moi, je faisais beaucoup de judo à l'époque. Le judo, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, donc ça a été quelque part. Sur quoi j'ai pu me rapprocher au père supplémentaire quand je bougeais dans ce déracinement. Donc, on s'est trouvé un club de judo, c'est pas mal, c'est le reste. Donc, j'ai retrouvé mes maîtres ici, même Delphine qui m'a suivi pendant toute mon adolescence. Mais j'avais un souci au judo, c'est que j'étais très bon à l'entraînement, mais j'étais pas bon en compétition. Je perdais tous mes moyens. Lorsque j'étais face à mon adversaire, c'était bien quoi j'avais pas géré le fait d'être le monde autour de moi, le rapport le contexte de la compétition, j'avais du mal à le gérer. Et un jour, j'ai un gros problème de Christelle avec les Tougas. Je ne te vois pas. D'ailleurs, toi, parce que là, il te. Tu es ici, là, ce que réel, lunette, tu suis ce c'est l'un de ceux qui a commencé le rugby. On était pas quand même, toi t'étais à Rennes, non? Oui. Moi j'étais à l'école de B2B, à Bertrand Debord, et j'ai mes copains à l'époque, ils jouaient dans les clubs aux alentours de Périgueux, et chaque lundi en fait c'était des briefs de ce qui était de la journée, parce qu'on était tous dans la même catégorie, et moi je me sentais un peu isolé de tout ça, jusqu'au jour où ils me disent, mais viens bien avec nous, t'es grand, t'es pour ça, relatif, mais à l'époque ils trouvaient que je pouvais jouer avec eux. Et en fait ce que j'ai retrouvé en rugby c'est vraiment de confiance pour un adolescent qui n'avait pas tant, savoir qu'il avait un rôle, une place dans un collectif. Collectif de gars qui étaient plus populaires que moi au lycée, qui étaient plus costauds, des gars que je regardais avec beaucoup d'admiration et finalement qui me considéraient, qui me donnaient une place. Dans leur effectif parce que je me respectais, voilà, parce que j'avais mon rôle dans l'équipe. Là, ça m'a apporté énormément de confiance et du coup, mon résultat au judo, parce que pendant longtemps j'ai fait les deux, ouais, on fait que tout le monde, j'ai pu faire j'ai confiance, énormément de confiance. A contrario, le judo m'a apporté au rugby une capacité à me concentrer sur l'objectif, sur l'événement, sans avoir besoin de mettre un contre tête dans le carrelage avant de rentrer sur le terrain. Donc j'ai jamais eu besoin, de gueuler ou de me serrer avec les autres. Plus j'avais de calme, plus j'avais de sérénité, ça me permettait finalement de faire des tâches. Des tâches vraiment contraignantes, notamment dans les grattages, tout ça, où il y a des surveillants avec les arbitres. Trop d'agressivité, ça me fait perdre mes moyens. Donc le judo m'a beaucoup aidé dans ma carrière aussi. Là, tu commences, tu arrives jeune adulte, le rugby est déjà pro, pas plus longtemps, mais fin des années 90, déjà des années 2000, disons, fin des années 90, 97, 98, 99, par là. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, donc il y a commencé à avoir des contrats, etc., au début de ça? Mais déjà, c'était dans une perspective où tu dis il n'est pas question que je ne fasse que ça. Est-ce que ça a toujours été présent? Ou est-ce que c'est En fait, le rugby professionnel, c'est là dans ma construction. En fait. Alors que moi, j'ai commencé au rugby il y a 15-16 ans.
96-97. Mon premier contact avec le hockey, c'est un regard d'amateur. Enfin, si je pouvais regarder un autre sport à la télé, en même temps, en Côte d'Ivoire, mon père, en expatrié, regardait le tournoi de destination. J'ai en tête les noms que je chevauchais de Serge Mangouche, comme ça. Mais je n'avais pas plus d'intérêt pour le hockey. Quand je commence à jouer à Trélissac, je commence un peu plus à m'intéresser. Et à l'époque, il y a un peu de diffusion de hockey en championnat. Il y avait l'image de l'équipe de France. Donc, je me souviens à l'époque de Caro et les grands chefs qu'ils ont pu faire. Je suis dit parenthèse, mais nos amis du CERN aussi sont là. Seb Bonnet, Jean-Luc Joannel, Philippe Carbonneau. Pour l'amitié d'être là aujourd'hui, vous avez Eric de l'Université de que je vois pas si encore un petit déjà là. Ouais. Non, mais donc ça c'est vrai que ça finalement ça a alimenté mon imaginaire, me dire que c'est super d'être à ce niveau-là, mais j'aurais jamais pensé pouvoir jouer à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, je me rappelle, je crois que c'est en 98, ouais. Je vais à Trélissac à l'entraînement, là. C'était le vendredi soir, j'ai dit au copain, il m'a dit, vous avez vu, il y a un Anglais, là, il a 18 ans, il joue en équipe en Angleterre, il est pas plus vieux que nous, vous imaginez, il disait non, on pourrait jouer, enfin, il y a presque notre âge, on pourrait jouer en équipe nationale. Et là, mes copains, ils ont commencé à se foutre de moi, ils me disent, pour qui tu joues en équipe nationale j'observe juste, il y a quelques années plus que nous, je trouve ça juste fantastique. Et en 2007, lorsque j'ai joué contre Johnny Wilkinson en préparation de Coupe du Monde, j'ai appelé mes copains en question, j'ai dit, tu vois, finalement, j'ai réussi à jouer contre ce gars-là. C'est pas l'anecdote, mais je veux dire, moi, c'était très, très éloigné. Pour moi, la priorité, c'était l'école. De toute façon, ma mère n'aura jamais laissé d'autres options que de finir mes études. Donc là, c'est encore là, c'est l'éducation. Mais non, ça ne vient même pas à l'esprit, c'est-à-dire que je fais du hockey avec mes copains. Je passe quelques étapes. De Trélissac, tu pars à Véritable Collège. De Trélissac, j'ai 2 ans à Trélissac et à l'issue de cette année-là, j'avais pas mal de commun, il y a un an ou deux de plus que moi, il est passé chez les seniors. Et comme ils avaient pas envie de jouer avec les seniors, à l'époque, c'était rigueux. J'ai une équipe en même temps, c'est considéré comme les meilleurs joueurs de la Bourgogne. Et il y avait une année supplémentaire pour mes copains qui avaient un an de plus. Et comme moi, je voulais rester avec mes copains, finalement, je suis allé à Périgueux. Donc j'ai fait une année Réchelle. Et à l'issue de cette année Réchelle-là, j'avais mon bac, donc j'étais en prépa de partir de Périgueux. Finalement, j'ai passé les tests pour entrer en centre de formation au CAVVG. Donc il y avait double objectif, c'est-à-dire à la fois continuer ta présentation, et en même temps, essayer d'avoir de l'argent pour commencer. Ouais, c'était surtout ça. Puis aller plus loin, forcément, parce que je suis compétiteur, donc effectivement, c'est une opportunité pour moi de continuer à progresser. Donc Trélissac, de servir et à l'issue de ma dernière année en échelle, donc à 19 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel. À ce moment-là, les premiers sont dans ce contrat pro. Tu te souviens de la somme ou pas? Ah ouais, c'est combien? C'est un bon négociateur. 6 000 francs. 6 000 francs, ce qui fait pour les plus jeunes un peu moins de 1 000 euros. Un peu au sud. Oui, c'est ce que j'entends de dire. Et donc, ensuite, tu vas à Colomiers, et je me souviens qu'à Colomiers, t'as une blessure. À Colomiers, quand tu vas à Toulouse, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Je fais 2 années chez les Courants. À l'issue je reste 3 ans à CLVG. Les deux années, donc la première année, je suis junior, mes deux premières années professionnelles, je rentre en école d'ingénieur. Non, c'est sur la dernière. Je suis en école d'ingénieur, et là, la dernière année, le club et Nico aussi, qui a joué au niveau. C'est avec Nico à se souvenir de cette époque-là. Je sais pas, 3 semaines avant de reprendre la saison, on est finalement, le club est coulé, il n'y a plus d'argent, vous devez partir. Donc c'est un peu perturbant, on va dire. Donc dans l'urgence, il fallait que je trouve une solution. Et à double solution, quel club et ouais,
cette époque-là, je faisais une formation j'étais comme ingénieur par alternance. Donc il fallait que je travaille en entreprise. Quand j'étais à Bordeaux, j'étais dans la labo du CNRS. Donc quand je suis allé en Colombie, la première acquisition pour moi était d'avoir une entreprise qui était plus avant même de parler du salaire. Donc, une fois qu'ils ont accepté ça, on a pu parler du reste. Donc effectivement j'ai joué un an à Colombier où je me blesse rarement au genou. Et à ce moment-là, quand tu te blesses, c'était le plus début de ta carrière, une blessure au genou par la maladie de déjà, mais une blessure, on ne sait pas trop comment on en sort, on ne sait jamais trop, mais si c'est. Est-ce que ça a évolué aussi dans ta réflexion, dans ton approche de rugby? Moi j'ai toujours une distance avec ce que je vivais, si tu veux, parce que c'était pas mon milieu, ma culture, si tu veux. J'étais après par accident quelque part, j'étais à la compétition, l'envie de progresser qui me faisait monter les étapes petit à petit. Cet accident-là, il me permet deux choses. Un, c'est vrai que ce que tu dis, je me laisse en France là. J'avais 22 ans. C'est en 2004, donc traditionnellement, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais je vous donne le contexte. Après 2003, ou du moins dans l'Australie, en général, la tournée qui suit, on met en avant des jeunes pour les tester, pour les voir. Donc, j'ai plutôt bien placé pour faire partie de cette tournée-là en 2004 aux États-Unis. En revanche, je me laisse vraiment contre les Anglais sur un poste à Perpignan. J'avais une rupture du croisé postérieur, qu'on n'appelait pas à l'époque, mais j'avais aussi le ministre qui avait été touché. Je me rappelle, le chirurgien, il me dit, j'étais tout seul avec lui, il me dit, normalement on n'opère pas, mais vous avez toute l'instabilité sur votre genou, je vous conseille de vous opérer. Parce que si vous reprenez là, vous pouvez jouer dans 3 mois. En revanche, à 26 ans, vous avez arrêté votre carrière, c'est sûr. Vous usez votre genou. En revanche, si vous opérez, je ne sais pas si vous allez reprendre. j'ai choisi l'opération. Et j'ai fait un pari. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai été blessé, j'ai vu le rapport aux autres qui a évolué. La façon dont les gens me considéraient, dans la vie, le club il a toujours été là, mais bon, les gens ils étaient moins avenants, on va dire. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait certaines fragilités finalement dans le statut de joueur de rugby. C'est la précarité dans le sens où un jour tu peux être sous la lumière. Tu peux être sous la lumière, du jour au lendemain, ça s'éteint et bon. Là, il faut que tu trouves d'autres solutions. Ça m'a encouragé en fait de continuer à bosser à l'école. Et ça m'a laissé aussi du temps pour valider le maximum de choses. Tu reviens finalement, tu rejoues, tu fais un Biarritz. Ouais, ça aussi. Quand je fais le choix d'aller à Biarritz, tout le monde dit que je suis fou, mais je me dis bon. Parce qu'à l'époque. À l'époque, quand j'arrive à Biarritz, c'est le moment où il y a un recrutement assez important avec. Les Galactiques. Ouais, c'est ça, c'est exactement l'époque des Galactiques avec Emmanuel Arimandouki, Damien Drey. Pour les mines, c'était Ketsen, Arimandouki, Romon, et deux joueurs qu'on entend par le moins, mais. Des Chouchans, Christophe Rinière, enfin, c'était Courtois à l'époque. Moi, je prends la partie de me dire, ben, je prends ma chance, et si ça ne fonctionne pas, bon, je pourrais valider mes études. J'étais vraiment de comme ingénieur. Et je jouerai en dessous. En tout cas, c'est une opportunité pour moi d'aller passer encore une étape. Est-ce que tu penses qu'avec le recul, le fait justement de dire que je suis à un an de mon diplôme, si ça avait été 2 ans, ce serait le bout. Finalement, ça t'aide à ce moment-là de dire je ne fais pas grand-chose ou ça ne fait pas. Non, ça ne s'influe pas particulièrement, puisque je suis une période où ça devenait compliqué, j'ai un devoir à l'école. L'entraînement à l'école, la
l'éducation, enfin, ça faisait beaucoup de choses à gérer. Et puis je commençais, je trouvais que j'étais de plus en plus attiré par la compétition. Et pour moi, c'est un défi énorme. Quoi. Finalement, tu vas dans l'un des meilleurs clubs du pays. D'Europe, ouais, d'Europe. Et tu en concurrence avec les joueurs nationaux. Donc, ça c'est stimulant. Moi, dans mon état d'esprit, ça m'a stimulé. Et finalement, après 3-4 mois où j'ai peu joué parce que j'étais blessé, j'ai finalement beaucoup joué parce qu'ils étaient tout le temps en équipe de France. Et où ils étaient au groupe. Donc moi, finalement, normalement, j'ai trouvé ma place. Et à l'issue de cette année-là, je suis appelé en équipe de France. En 2005. Je l'ai fait pas parce que j'ai quand même des soucis de santé. Mais si tu veux, finalement, tout ça valide. Mon esprit, ça valide ce choix. Est-ce que tu finis la fête ton diplôme de génération? Oui, en septembre 2005. Et à partir de ce moment-là, je me fie à fond dans ma carrière de santé. En fait, c'était d'autant plus facile. J'avais cette sécurité-là, dire, si jamais il m'arrive un autre événement comme si il m'arrive au genou, j'ai au moins un bagage universitaire qui va permettre de passer aux choses un peu plus facile. Et je suis rentré, je veux dire, dans la compétition, avec beaucoup de sécurité, confiance en moi. Et finalement, cette espèce de négativité, tu l'as entretenu quand même après, puisque finalement tu as gardé ce principe-là et fait tes études, mais assez vite. Donc tu vas partir de Reims et aller à Toulouse, et tu continues à regarder ce qui se passe à côté du monde de rugby, puisque tu vas investir assez tôt dans différentes activités. Oui, parce que comme je l'ai dit, moi je suis d'une génération qui a certes été professionnelle sur l'ensemble de sa carrière, mais qui a quand même connu c'est pas comme mon amateur, parce que déjà c'était passé, mais c'était le statut plus actif. Donc que ce soit à Colomiers, à Biarritz, à Biarritz de Niavoy, il travaillait à la mairie. Déjà dès cette génération, il y a beaucoup de joueurs qui ne font plus de ça. Oui, c'était, on était une période charnière finalement. Elle n'était pas encore, c'était vraiment le début du professionnel qu'on gagnait notre vie. Mais on avait été en contact avec notre génération qui avait vécu le monde amateur. On n'était pas complètement déconnecté de ces parties-là. Donc moi j'ai vite fait l'analyse que finalement je n'allais pas bosser chez Airbus parce que ça allait pas m'intéresser. Donc j'ai commencé à investir dans des sociétés, notamment des sociétés autour de la tête des startups aujourd'hui, c'est la mode. Moi j'ai commencé en 2008 avec mes autres sociétés. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 26-27. Et dans cette société-là, tu l'as, je regarde cette carrière, mais pour finir sur cette partie-là, c'est une activité que t'as... C'est ce qu'elle faisait, cette société? Non, ce qu'elle faisait, tu peux expliquer ou tout ça? Et aussi après ce qui s'est passé, que tu as décidé de la vendre. Ah oui, oui, moi je sais ce que tu fais aujourd'hui. Quoi. Oui. Alors nous, c'est une société, c'est une plateforme d'envoi de SMS, donc avec laquelle on faisait la relation client pour les marques, pour SMS que vous recevez là qui vous embête, vous avez passé par une plateforme technique comme j'avais à l'époque. Donc on l'a vendu il y a 2 ans et maintenant on fait l'investissement dans des startups, dans du logiciel. Et ça c'est la deuxième partie, mais finalement le fait d'avoir mis le pied dans l'entreprise en 2008 finalement, ça m'a permis d'anticiper la suite, parce que ce qui est très difficile quand on a une carrière, quel que soit le niveau, c'est de passer à autre chose en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un cocon, on est encore plus besoin de penser qu'au sport. On doit penser beaucoup au sport parce qu'on a des objectifs de très importants. Ce qui est très compliqué, c'est de savoir comment est-ce qu'on va passer dans la vraie, la vie réelle, avec je parlais tout à l'heure, un changement de statut, la lumière est assez plein, un changement aussi économique, une variation économique importante. Et moi, ça m'a énormément aidé d'avoir déjà un projet professionnel, ça m'a facilité finalement de passer à autre chose. Et justement, pour ta carrière, est-ce que tu as forcément toi, parce que finalement, les gens qui sont entourés, coach, directeur de club, etc., il voit bien que tu gères pas mal l'instant. Mais est-ce que toi, tu as entendu, dans ton entourage, des discussions autour de j'arrête ça parce que j'arrive pas à me concentrer, ou des pressions, ou
Je suis juste au vous êtes juste des joueurs qui cherchent tout seul, alors, et par rapport aux formations. Non, par rapport, oui, par rapport à l'idée du nouveau projet, en tout cas, que ce soit des études, que ce soit l'activité à côté, est-ce que quel était le discours finalement des encadrants que tu as connus dans les différents clubs? Les encadrants, on n'en parle, parle pas tant que ça. Les encadrants, ils vont parler de la performance du week-end et finalement le fait de savoir si tu vas être un joueur là et comment est-ce que tu vas progresser, c'est reste sur le sportif. Le joueur, lui, c'est-à-dire que si tu commences quand tu es jeune, tu n'y penses pas forcément. Quand tu es en milieu de carrière, sur la fin, là, tu n'y penses pas non plus parce que tu vas te concentrer sur les objectifs au court terme. Et puis aussi penser à l'après-carrière, ça veut dire que ça va s'arrêter. Ce que tu vis aujourd'hui, aller jouer des matchs le week-end, de régaler dans des stades remplis, ça va se terminer un jour. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on met sous le tapis. En revanche, quand les gars sont à quelques années, ça qui sont un an ou deux de la retraite, ben là, le stress monte. Et c'est quelque chose de plus difficile à gérer. En revanche, je pense que le projet professionnel se réfléchit tout au long de la carrière. Pourquoi ? Parce que même si tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire à l'issue de la carrière, tu sais bon ce que tu ne veux pas faire. Et je pense que le rugbyman, en tout cas dans le milieu sportif, il y a une chance énorme dans le sens où il y a énormément. C'est un sport où il y a beaucoup d'entreprises locales et beaucoup de proximité. Il y a beaucoup d'opportunités finalement d'aller se renseigner, d'aller vers d'avoir la curiosité de se renseigner sur l'entrée de sponsor, de voir comment est-ce que ça se passe sur leur activité, pour qu'on peut comprendre ce qu'est la vie en entreprise. Parce que c'est inéluctable. On y passera, on peut pas tous être trainer de rugby, on ne peut pas tous demander des matchs, même si pour beaucoup c'est l'objectif. La réalité de la vie fait que pour beaucoup d'avoir trouvé un boulot en dehors du sport. Justement, tu évoques d'ailleurs un récit ici dans la saison 4. Toi, tu commences aujourd'hui, mais ta passionnité, ça sportivement, en tout cas, dans ta carrière, ce n'est pas quelque chose qui te t'attire. C'est pas quelque chose qui m'attire, c'est un parti pris en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai analysé, c'est que dans le sport, il n'est jamais trop tard pour y revenir. Que ce soit du niveau, si jamais je demain être entraîneur, je commencerai plus tard, j'ai pas besoin d'être en top 14. En revanche, profiter de l'inertie que j'avais à l'époque avec ma carrière, avec les contacts que je pouvais avoir, peut m'aider finalement à rentrer de façon avec force finalement sur le marché, dans la vraie vie, ou avec les entreprises, les défendre. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. J'ai choisi aussi de me former, continuer à me former, j'ai fait une école de commerce, continuer à être curieux, pour dire, je mets d'autres cordes à mon arc, pour pouvoir demain revenir en recul, mais moi je me laisse toujours fonctionner comme ça, avoir me laisser le maximum d'opportunités de pouvoir choisir ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai choisi de pas prendre un club, parce qu'on m'a proposé plusieurs fois d'être manager de club, d'être entraîneur, je vais faire un petit retour en arrière, parce que je pense que ça prend très urgent de te faire raconter deux, trois grands moments qu'ils ont vécu eux à travers toi aussi et à travers des coéquipiers. Je pense que si je dis par exemple la finale de 2016, Coupe du Monde face au même package, à chaque fois je me trompe, tu m'en veux 38, c'est ça, 38 packages. On rappelle le contexte, en 2017, toi c'est la première Coupe du Monde. Dis-moi les dates, parce que c'est que des dates sympas, parce que j'ai entendu des sympas. Il y a des pas sympas aussi. Parce que c'est intéressant, c'est le fond de des sympas, c'est qu'il y a des pas sympas, j'imagine aussi. Il y en a beaucoup plus qui ont pas été agréables, mais c'est vrai que. Quand on est vieux joueur, on aime bien mettre en avant les moments qui faire croire aux plus jeunes. C'est aussi des choses que les gens partagent avec toi. Il y a des moments de plaisir. Et justement, sur cette première Coupe du Monde, tout le monde fait son premier match face à l'Argentine. Et se trouve un peu sorti de son parcours prévu, en tout cas, il se retrouve face au Mercantile.
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que est-ce qu'il se passe après? Est-ce que tu le présentes avant? Est-ce que tu sens des petites choses qui vont te dire qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui? Non, absolument pas. En revanche, c'est une semaine qui est particulière. C'est la grande spécialité française finalement de ne pas être là où on nous attend. Donc on va jouer contre l'Argentine, ça nous vient bien se passer, on perd. On arrive au quart de finale de Coupe du Monde, tout le monde nous annonce perdant. C'était assez finalement classique sur le compte géographique des histoires de l'équipe de France. C'est vrai que cette semaine-là était assez particulière parce que finalement c'était notre dernière semaine. Donc on l'a vécu avec une reprise comme c'était notre dernière semaine. Quel était le pourcentage pour qu'on gagne ce match? Oui, faible sur la semaine. Donc c'était la dernière semaine. Donc, on l'a vécu différemment, c'est-à-dire on l'a vécu avec une intensité différente, on était content d'être ensemble, on l'a vécu pas avec une pression, mais juste avant l'envie de dire qu'on joue au quart de finale de Coupe du Monde. Et c'était vraiment très très particulier, en plus c'était au Pénégal. Donc on était un petit peu loin de cette pression nationale autour de la compétition. Et après il y a plein de petites choses qui se sont passées. Je me rappelle Serge Metzel qui nous avait fait voir monsieur. Comment ça s'appelle Gladiateur 300, voilà. Donc c'était assez. C'est des choses sympas. Je me rappelle de Tommy qui arrive et qui dit à mon bah, les gars, j'ai une idée, on va se mettre en bleu, blanc, rouge avant le match. Donc il y avait des choses, en fait. Le plus impressionnant de la semaine, c'est le temps que vous alliez faire le t-shirt, en fait, parce que j'ai fait l'express. Ouais, c'est bon, il y en a qui a été bon là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'on fait surtout le drapeau à l'envers. Vous l'avez pas remarqué sur le coup? Bon, non, on était ailleurs, on était plus dans le défi. Mais tout ça, en fait, ça rend un moment magique. De toute façon, en plus, c'est au Millennium Stadium, donc c'est un stade qui est mythique. On commence tous à y aller si vous voulez un jour. Contre les All Blacks, en plus, on est devant eux avec le AK, donc il y a beaucoup de tension. Et l'histoire, elle est comme ça parce qu'on gagne. C'est-à-dire qu'on prend 60 quand on a pris en 2015. On est plus ridicule autre chose. Donc je pense qu'en fait ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est de dire que quand on fait cette démarche-là en faisant le drapeau, finalement on s'engage, finalement on roule les bateaux. Donc on n'a pas le choix. Donc soit on se tend vers de tout et force chance qu'on perd, on n'a pas perdu de beaucoup en tout cas. Donc ça c'est un engagement qui est fort. Toutes les équipes de France qui ont exprimé quelque chose face à la Nouvelle-Zélande notamment. Ça s'est souvent bien passé parce que c'est dans notre façon de fonctionner, on s'engage véritablement. Et oui, donc ça s'est bien passé, on n'a pas eu. Encore une fois, si on regarde les statistiques, on n'a jamais le ballon, on en a deux actions, on est marre, ça ne veut jamais. De pénalité contre un deuxième temps. De pénalité, mais après ils ont la possibilité, ils font des choses aussi. Des adversaires qui ne se sont jamais parlé. Soit parce qu'il est des adversaires du passé, soit des adversaires du futur. Alors en l'occurrence, c'est la première fois, c'est là, effectivement, après 10 ans de nous sur la gueule sur le terrain du monde entier, mais Richy et Mako et Thierry ont passé, j'étais enfermé dans une orange en montagne, avec une bière, avec un peu, et ils se sont parlé, mais j'ai eu l'occasion de le faire. Et du coup, c'est là où ils se sont chambrés, en disant ouais, 2007, ouais, mais les deux ont. Toujours du mal à le dire ça parce que
Aujourd'hui, finale de Coupe du Monde, c'est quand même, enfin, ça arrive rarement. Ce qui est beau, surtout dans cette histoire-là, c'est que trois semaines avant, au fond du saut, on perd contre les Tonga. On rappelle, c'est à Wellington, on nous laisse, si vous voulez, à l'issue d'une coupe, de la phase de poule, on vous remet des médailles de participation, en fait, toutes les équipes. Donc pour ça, il y a cérémonial, vous restez sur le terrain. Seulement, on devait perdre contre les Tonga, il y avait 5000 Français dans les tribunes, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas contents. Et c'était une demi-heure à se faire siffler, à se faire insulter. Et c'était compliqué parce qu'il fallait se relever de ça. Il n'y avait aucune raison. Avant même la Coupe du Monde, on savait qu'on jouait contre les Anglais. Enfin, la probabilité qu'on joue contre les Anglais était assez importante. Peu de personnes, encore une fois, disaient qu'on allait gagner ce match-là. Donc en plus, on n'était pas très bon. Donc le fait d'avoir réussi à partie de 0, d'être bon, d'avoir su passer les étapes les unes après les autres, d'avoir réussi à construire l'équipe, pour moi c'est un souvenir vraiment exceptionnel. Alors oui, le point d'or c'est cette finale-là, on perd de très peu, et effectivement il y aura toujours la frustration de se dire on va être champion du monde de ce jour-là. Mais sincèrement, on n'aurait pas pu faire beaucoup plus, on est à fond. Quoi. On a joué sans vraiment beaucoup de stratégie, on a joué en tout cas avec notre cœur, avec beaucoup d'énergie. Et puis on avait une équipe exceptionnelle, de grands joueurs, de grands leaders, on aurait pu être tous les capitaines. Donc ça faisait aussi notre force avec beaucoup d'expérience. Alors justement, c'est ce sujet qui est intéressant, je pense, pour les gens qui aiment le sport, qui jouent en équipe, quel que soit le niveau d'ailleurs. Toi, tu es l'expérience pour le capitaine d'un club aussi. Comment tu as abordé ce rôle-là et est-ce que la même abordée a évolué au fil du temps? J'ai évidemment évolué, je suis resté 6 ans capitaine, donc quand je suis arrivé, je trouvais d'un souci. Il y avait deux sujets pour moi. Le premier, c'est que je n'étais pas le plus extensible de l'équipe, donc pour communiquer, c'était un peu plus difficile. T'avais l'extensible ou... Ouais, non, pas encore, mais en tout cas, ça c'est les restes de l'époque que j'ai raconté au début. Le fait d'avoir des difficultés à s'exprimer en public auprès d'un groupe. Et je ne me sentais pas forcément légitime parce qu'à l'époque, l'équipe, il y avait des joueurs comme Harry Gordoki, il y avait beaucoup de joueurs, tous plus ou moins la même génération, qui avaient beaucoup plus de sélection d'expérience que moi. Je ne me sentais pas forcément légitime à venir les entraîner finalement. Ça, je pense qu'il y avait déjà le respect de la part du coéquipier par rapport à mon investissement sur l'autre, sur le terrain, et ça s'est fait petit à petit. Et au début, donc, ça a été assez sympa. Un an et demi, on a gagné en Nouvelle-Zélande, on a gagné contre l'Afrique du Sud ici. Quand les problèmes ont commencé à arriver, gérer finalement. J'ai vu oui, faire évoluer ma façon de. Tu parles de quelle période quand tu parles des problèmes? À partir de. On fait le grand chelem en 2010. Avant la Coupe du Monde 2011, à partir de la tournée d'été 2010, en Afrique du Sud, en Argentine, on a 69 points contre l'Australie à Paris, là contre l'Italie sur le tournoi 2011, voilà, ça faisait pas mal de. C'est un peu compliqué, tu fais partie aussi du problème, donc tu essaies d'analyser, d'être aussi le bon messager entre l'entraîneur et le groupe, trouver les solutions. Mais moi j'avoue que c'était un peu c'est compliqué parce que là. La relation avec le staff était compliquée, la relation avec les joueurs était compliquée, donc arriver à une compétition en 2011 où finalement sur l'extérieur on voit une équipe, on pense que l'équipe est solide, mais peut-être très fragilisée en interne. Donc moi, comme une personne sur mon management, s'il a évolué dans le sens où pendant très longtemps, étant donné que j'avais beaucoup de pression, beaucoup de critiques, j'estimais que quand même c'était moi qui recevais plus de pression, mais quand je donnais une direction, tout le monde devait la suivre. Donc c'est très directif, très dur parfois avec mes coéquipiers.
Et quand je suis arrivé à l'île au milieu de ça, quand tu ton gage, je me suis rendu compte que j'avais besoin de l'énergie des autres, de me responsabiliser. Et du coup, parce que j'étais beaucoup plus participatif dans mon partage des tâches et les responsabilités, ça fonctionnait beaucoup plus quand on est elles sont tous plus responsables, plus en. Ils ont senti que le projet leur appartenait à son entreprise, tout ce le projet à avoir. C'est ça la discussion que tu as évolué ou de toi-même tu t'es dit quand ça va pas, ou tu es allé voir quelqu'un pour en échanger, tu as parlé au coéquipier, qu'est-ce que comment trouver mon capitaine, la dernière fonctionne, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit pas, comment t'as fait évoluer. Après, sur les poches, je sentais qu'il y avait, il y avait un problème. Parce que je savais que c'était encore pour les tuer. Il y a un sujet à l'époque, c'est-à-dire que le groupe était en rébellion face à nos entraîneurs. Moi, j'étais au milieu, en fait. Et j'estimais, en fait, que les requêtes, les plaintes, l'effectif, n'était pas légitime parce que j'estimais qu'on était, vu notre potentiel, toutes les qualités qu'on avait, on ne donnait pas ce qu'on pouvait donner. Il y avait un problème, certes, de la part du management du stade, de ce qu'ils nous demandaient. Mais nous, en tant que joueurs, sur le plan, on était bon, on ne livrait pas ce qu'on devait livrer, tu vois. Donc je trouvais qu'on n'était pas légitime pour aller se plaindre. Je ne sais pas si je me suis fait. Surtout qu'on n'avait pas de. Non. Moi, je me retrouvais au milieu, là. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que mes coéquipiers disaient, mais attendez, il n'est pas avec nous, en fait. Il n'est pas avec nous parce que. Il n'est pas dans la rébellion, quoi. Ouais, non, mais il critique pas les entraîneurs, il est satisfait avec la situation, certainement satisfait parce que les capitaines et la situation n'est pas assez bonne. Lorsqu'on est tombé au fond là, contre les Tonga, on a fait une soirée comme on voulait faire dans le rugby, on s'est bien parlé, et moi j'ai pris pour mon crâne en fait. Donc les gars m'ont dit, certains joueurs m'ont dit, voilà, t'es vraiment quelqu'un pour se faire raison, t'es vraiment leader, t'es vraiment, non, c'est pas vrai. Moi j'ai dit une phrase, je sais que ça les a touchés parce qu'ils m'ont répété sur la semaine contre mes pères, j'ai dit, écoutez, moi, j'entends tout ce que vous dites. Et moi, je vous explique, je ne parlerai jamais de moi, mais je vous parlerai de moi, j'explique ma situation que surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que là, donc, la semaine prochaine, si on perd contre les Anglais, nous, dans 20 ans, personne ne se souviendra de vous, en fait. Et moi, je serai le capitaine de la pire histoire de l'équipe de France. La pire équipe de France de l'équipe de France. Non, mais l'histoire, tu fais la contre les Anglais, tu vas contre la guerre finale. Donc. Et ça, j'ai vu que, en fait, ça a changé la perspective. Ouais, ça leur a fait quand même les couches, disant bah, finalement peut-être que le gars il parle pas, il est peut-être aussi en souffrance, mais plus en souffrance que nous, parce que là, c'est le sac à dos quand même qui est beau. Et en fait, toute la semaine, s'affranchissant, c'est vrai que du staff, en donnant une responsabilité à chacun des joueurs, et les gars sont venus avoir le sac à dos, ils m'ont pris une bridge chacun. Et j'ai des joueurs qui me disaient, mais t'inquiète pas, tu ne seras pas ce joueur avant le match. Ils me disaient, en fait, c'est Julien Bonner et Julien Chassin. T'inquiète pas, tu ne seras pas le capitaine de l'équipe de France de l'histoire. Ils m'ont dit ça avant le match. Et sur le match, on va les Anglais, on les écrase. Et ça a été finalement le départ d'une aventure exceptionnelle. C'est pour ça que je parle de ces trois semaines-là. Et là, je me suis rendu compte que finalement, j'avais été un peu trop. Trop pris sur moi, quand tu es capitaine d'une équipe de rugby, on ne te pas des cours de management. Tu apprends. D'ailleurs, c'était sur le choix, est-ce que tu es des carreaux, peut-être le font aujourd'hui. C'est pas grave, parce que je pense que quand tu es capitaine aussi en France, on n'a pas l'image du. Chaque fois, Jean-Pierre, il y a le même le capitaine héroïque, un peu qui. Sur la tranchée, qui doit bien parler à la presse, qui doit être un bon orateur, qui le suit très bon, qui joue à voir, qui est parfait. Et bon, non, t'es pas parfait, tu vas toujours au top, et puis t'as ta propre personnalité qui fait que toi, tu imposes le rôle de capitaine quand tu veux. Et
communication, c'est un ensemble de choses que tu apprends. Donc, moi j'ai appris sur ça et là. Et tu dis dans le tournage, donc la campagne notamment en Afrique du Sud, le jeune joueur amateur du village, et on a des discussions avec Thomas Davier, sur le rang du capitaine de sa question d'hier. Et tu demandes comment il vit de rendre capitaine, et tu lui expliques que toi, j'imagine tiré de tout ça, tu dis, tu as essayé ensuite de repartir entre la semaine et le jour de match. Tu dis, moi j'ai essayé de pacter la semaine, parce que le jour de match, ça me demande toute mon énergie pour être bon joueur. Et donc tu sais un peu l'évolution de ton expérience. En fait, la difficulté quand tu es capitaine d'une équipe, c'est que tu es toujours, en tout cas en équipe nationale, tu es jugé sur deux niveaux. Le premier, la qualité de joueur, c'est le capitaine de leader. Donc si l'équipe marche bien et que tu ne joues pas bien, bon, on va dire, à la hauteur de l'équipe. Comment ? Tu en dis pas à la hauteur de l'équipe. Oui, c'est ça, parce que c'est pas parce qu'ils ne comptent pas l'équipe en fait. Si toi tu joues bien, l'équipe joue pas bien, est-ce que c'est un bon leader, un bon manager de groupe ? Il est toujours à gérer ça. Donc moi, avec l'expérience, ce que je faisais, c'est que je parlais beaucoup dans l'analyse dans la semaine, j'apportais beaucoup de rectificatif. C'est pour ça aussi que mon corps m'est meilleur que la pièce, parce que je l'ai soulagé de pas mal de choses opérationnelles sur le terrain. En revanche, quand j'ai rentré sur le terrain, j'ai essayé de me concentrer sur la tâche parce que j'avais plus d'énergie, quoi, j'avais plus de gaz. Donc c'est ça aussi qui est difficile à gérer, c'est quand tu arrives le samedi pour rentrer sur le terrain, ben, tu as joué déjà 3 matchs dans la semaine. Il faut être nerveux. Donc ça, tous les capitaines, ça vous colle le coachera. Avant de passer aux questions du public, on préparait vos questions, hein, vous aurez le loisir sous peu de poser des questions qui vous intéressent. Surtout n'hésitez pas pour profiter de la présence de Thierry. Un petit mot, je pense que ça fera plaisir à tout le monde de t'entendre sur l'équipe de France actuelle, le match de samedi, qui ne va pas faire oublier les défenseurs de la Rome quand même. Ils sont durs, hein. Est-ce que ça fait plaisir, est-ce qu'elle prend pas, est-ce qu'elle prend du geste, est-ce qu'il y a attention Je pense que déjà le premier constat, c'est que j'ai jamais vu une équipe d'Angleterre aussi faible. J'ai perdu que même, donc ça m'a impressionné en étant en stade visuellement, c'est que déjà la défense était prête 2-3 secondes avant l'attaque. C'est à ce niveau-là, je ne peux pas penser passer une défense ou faire quoi que ce soit. Dans tous les secteurs, j'ai trouvé très 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 faible. En revanche, là où j'ai trouvé l'équipe de France excellente, c'est dans sa capacité déjà à marquer, chaque fois qu'elle a eu l'occasion. Et surtout d'être concentré et même quand le match était fait, continuer à marquer, à être rigoureuse dans sa façon d'aborder le match et ça. Souvent, dans les matchs, que tu joues ton adversaire, vraiment, il y a quelques minutes où tu relâches, un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas un essai, c'est pas grave. Eux, ils ont refusé ça. Ils ont continué à être excellents là-dessus. Maintenant, moi, je pense que ça fait très longtemps d'avoir une nouvelle génération comme ça. Il y a un bon staff, il y a des joueurs qui sont excellents, mais surtout qui donnent plaisir à être ensemble. Donc, ça se ressent. Par rapport à ce que tu disais, on a l'impression qu'il y a justement que ce sac à dos, il est particulier. Oui, il y a beaucoup de leaders dans cette équipe. Ça se sent qu'elle est sympathique, elle a envie de la supporter, de la porter. Moi, je reste convaincu que ils ne vont pas être champion du monde que s'ils jouent, ils vont jouer contre l'Angleterre. Parce que si on prend une équipe comme l'Irlande, elle n'aura pas autant de ballon. On s'est montré autant une équipe comme l'Irlande. Je ne sais pas si les matchs sont à quel niveau ils seront, mais les équipes adverses sont dans le monde autant de cadeaux. Il faut réussir à mettre en place un jeu offensif pertinent, efficace, pas seulement basé sur le compte. Donc, je pense que c'est encore leur marge de progression. Et c'est vraiment l'équipe favorite pour le titre. On rappelle aussi que les Coupes du Monde ont été gagnées par la défense et l'ont bien. La question quand même. Ouais, la drogue, des... Oui, sur la,
tu as raison, mais sur le parcours de l'équipe de France, tu joues un quart de finale. Pour moi, le match le plus important, là, sur la... Tu joues soit contre l'Irlande, soit contre l'Afrique du Sud. Après avoir joué les mecs, du coup, ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est pas l'adhésion qu'il y a derrière les coachs. Oui, je pense que c'est un ensemble quelque part. Oui, c'est la, la,
des gens qui ont la façon dont un groupe épouse un projet. Je pense que ce qui est intéressant avec l'équipe nationale aujourd'hui, c'est ce concours qui monte à raccord dans ce projet-là, qui prend plaisir à jouer ensemble. L'adhésion, c'est autour d'un projet, mais c'est aussi une façon, autour d'une personnalité aussi, la façon dont les victoires et les défaites sont gérées par le coach, c'est un ensemble de choses. Donc, souvent on met en avant l'entraîneur, notamment en championnat, parce qu'on a besoin de résultats à court terme assez rapidement. En fait, c'est toujours une équipe, alors que c'est sûr que c'est plus difficile, c'est plus facile de se séparer d'une personne que d'un effectif de 30, mais ça reste toujours un équilibre, effectivement. La façon dont les échecs sont abordés, je pense, conditionne l'adhésion. L'adhésion du groupe sur le long terme. D'autres questions ? Ouais. Et après, Sébastien, Baudet, je voudrais te voir, ça m'intéresse que tu réagisses à ce que disait Thierry sur le deux projets. Comment vous gérez avec vos jeunes aujourd'hui, le espoir ? Bonsoir. Une petite question, vous avez fait plusieurs clubs, donc vous avez connu plusieurs managers. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté sur votre carrière, en l'occurrence carrière sportive ? Et chaque manager a sa façon de faire. Et donc derrière, qu'est-ce que vous avez pu prendre et regarder ? Oui, ils sont tous les managers, leur façon de voir le jeu, leur caractère, ils ont forcément un impact. Je retiendrai trois personnes, trois personnalités. La première, je retiendrai la Gisquet. La deuxième partie, la Gisquet, lui, il m'a appris lui la rigueur, la concentration. C'est mais on n'est pas dans le haut niveau avec le BO. C'est un entraîneur très exigeant. Il a l'habitude de péter les plombs pendant les entraînements très souvent. En revanche, il était très rigoureux. Et moi, il m'a fait toucher du grand, en fait, la rigueur qui était nécessaire finalement pour être bon, mais bon de façon régulière à ce niveau-là. Le second, je dirais Bernard Laporte en équipe de France, c'était le premier entraîneur en équipe de France. Il m'a marqué parce que c'était vraiment une meilleure note. La détermination, l'énergie qui dégageait quand on faisait le quart de finale en 2016, ce qu'il nous a dit dans le vestiaire, les mots qu'il savait trouver. C'était vraiment un leader de terrain. Et le dernier, bien sûr, Guy Mauvais, parce que il a été mon manager pendant 9 ans. Et sa faculté a toujours. Tirer le meilleur de ces joueurs-là, de ces joueurs, des joueurs qui avaient beaucoup d'expérience, beaucoup d'ego aussi, faire fonctionner tous ensemble. C'est juste été, même en manipulant parfois certains joueurs, c'était un grand, grand manager. J'ai beaucoup appris aussi à son contact. Pourquoi l'équipe de France s'est mise en V face au Black ? Alors, on s'est mis en V parce que, dans cette génération-là, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait 2007. Et il y avait cette frustration-là de dire qu'on n'a pas participé à cet événement qui a marqué l'imaginaire, qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc il y avait cette volonté-là de faire quelque chose absolument. Bon, moi j'étais sollicité par pas mal de joueurs la semaine avant, moi j'étais pas très enthousiaste à l'idée de le faire parce que je voulais pas faire un VTT, je voulais pas qu'on rentre dans le cinéma en fait. Et finalement, vu l'assistance des joueurs, il y avait du match. Il y a Didier Autier qui vient me voir, il me dit Thierry, tu devrais parler à. On aurait fait le
officier de liaison. Parce que moi, je joue une compétition. Un officier de liaison, quelqu'un de local qui était finalement, qui était des managers à gérer tout ce qui est la logistique. C'est cette personne-là qui avait une idée pour le lagueur. Il me disait, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas un V? Lui, c'est un ancien militaire et c'est une formation de travail. C'est pour ça en fait, qu'il m'a parlé de ce V-là. Et moi, je lui dis, non, mais moi, le V, si on fait un V, bon, je pense que personne n'a rien à comprendre à ce qu'on fait. C'est pas un V, en fait, c'est une pointe. C'est une pointe, j'ai dit, comment est-ce qu'on répond à un cas. Il faut faire un autre cas. Ça, c'est compliqué de faire un cas, moins de 24 heures. Et là, il me répond, il dit, en fait, pour répondre à un cas, il faut avancer. J'ai dit, mais c'est ce qu'on va faire. On va faire la formation qu'on a, et on va avancer en même temps. On va avancer ensuite. Comme ça, tout le monde va comprendre. On est en Nouvelle-Zélande, culturellement. Pour moi, c'est important qu'on lance un message à nos adversaires, mais aussi aux gens qui étaient autour, parce qu'on était vraiment le milieu hostile. J'ai dit, on va faire ça. Et le lendemain, quelques heures avant l'entraînement, j'ai proposé ça à mes coéquipiers. On a fait une révision, une salle bien plus petite que ça. Tout le monde est emballé à l'idée de pouvoir répondre. Et voilà comment on s'est mis. Voilà. C'est bon Thierry? Ouais, je suis aux côtés de la colonie du CAD qui est venue et merci à vous, à Louise d'être là. Sébastien, ça m'intéresse que tu puisses répondre. Voilà, Thierry, t'as arrêté en quelle année? Je ne me souviens plus. 2017, donc on est quasiment 6 ans après. Ça vient comment? Quel discours aujourd'hui vous donnez aux joueurs? Est-ce que les joueurs sont... Je sais qu'il y a une tendance ou d'autres projets, mais que ce n'est pas si simple. Parce que votre objectif c'est d'abord le niveau et que les joueurs soient plus performants possible. Comment vous gérez cet aspect-là et qu'est-ce qu'on vous aide? Déjà merci pour notre invitation. On est vraiment très, très fiers et très honorés de participer à cette soirée. On a de suite été très emballés de pouvoir être à tout niveau tiré parce qu'on savait que ça allait être une parole importante aussi et qu'on allait pouvoir dispenser à nos jeunes. Donc nous évidemment, on gère un centre de formation. En l'occurrence, là, oui, avec ma collègue Boss qui est là, et avec Philippe quotidien qui est là avec nous aussi, on a conscience qu'on a un discours vraiment important. Et ce que tu disais tout à l'heure, ça nous conforte aussi dans notre quotidien, c'est-à-dire que les études sont primordiales. Et là-dessus, on est même capable aussi régulièrement de prendre des décisions au niveau du sportif, ou si ça ne suit pas sur le parcours scolaire. On est en mesure de sortir les jeunes de l'entraînement. Ça arrive de temps en temps, et là, il y a un réel impact. Voilà, donc ton discours nous conforte là-dedans. C'est pas toujours facile, parce qu'ils ont des objectifs où, effectivement, ils veulent être pro, ils veulent être sur le terrain le plus vite possible, mais il y a des parcours avant à valider, et c'est ce que tu disais, ce que tu as très bien expliqué, c'est qu'il y a des étapes importantes, et notamment quand il y a des blessures, des contre-performances, des choix de club aussi qui font que par moment on se sépare certains joueurs, ces joueurs puissent rebondir. Donc voilà, pour nous c'est quand même important d'entendre ça. Et puis bon, j'en profite aussi justement, puisque ta parole est quand même importante. Est-ce que tu as l'opportunité de discuter auprès des jeunes, notamment dans les centres de formation régulièrement? Et puis, puisque tu n'es pas très loin de Brive, est-ce que tu répondrais à un jour à une sollicitation pour venir discuter avec tous ces jeunes pour leur redire un petit peu toutes ces paroles qu'on a reçues ce soir? Oui, mais il faudra prendre Zozo au CAB, par contre. Déjà, je suis heureux dans ça, parce que c'est vrai que sur le discours que je sors, c'est faire ma propre expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant que j'arrête en 2017, j'ai aussi conscience que en 6 ans, le rugby aussi il a beaucoup évolué. Ça se voit sur le jeu qu'on peut observer tous les week-ends. Et j'imagine aussi en termes de structuration des clubs, le travail est fait. Donc je suis aussi rassuré de savoir qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau de la préparation de ces joueurs-là à
leur avenir, parce que finalement le rugby, ça reste qu'une étape de la vie. Donc ça c'est vraiment une notion que le RNC, c'est une étape qui est vraiment importante, que les garçons et les filles doivent comprendre. Il y a une vie après le rugby et cette vie-là, il faut la préparer le plus tôt possible. Concernant l'invitation, physiquement, je suis là, après je suis à Poulain. En revanche, ouais, pourquoi pas, ça me fera plaisir de venir à l'occasion. On en parlera si tu veux, parce que je pense que notre rôle en tant qu'ancien professionnel aussi est important aussi auprès des jeunes, parce que quand à ce niveau-là, effectivement, tu n'écoutes pas forcément de la même façon la parole de tes encadrants, mais ici, ils ont mis aussi une carrière de sportif professionnel, de sportif de haut niveau, parce que tu ne les vois pas de la même façon. Donc, en revanche, un discours qui est extérieur pourra peut-être un autre impact. Donc, oui, ce sera un plaisir. Et d'ailleurs, sur ce sujet, Philippe Garoulo, tu peux aussi dire un mot, parce que toi, tu as très tôt avec ton frère. Une activité en marge de rugby. Et ça m'intéresse d'avoir justement, tu as une des plus grandes lignées de l'histoire de rugby français. Tu as eu un moment difficile de ta carrière, en tout cas, qui est important, c'est la blessure en 1999, qui devait être très difficile à dire. Et à ce moment-là, tu avais déjà une fille, je crois que vous avez déjà une fille, qui ont. À quel point ça t'a aidé à traverser ce moment? Bonjour, tu vois, là. Oui, c'est vrai que, comme on dit, la reconversion, moi j'ai connu vraiment le monde amateur, même si c'était le championnat avec le Stade Français, avant d'arriver à Brive. Et aussi, on le dit souvent, il y a l'éducation familiale aussi qui est très importante pour les jeunes joueurs. Et ça m'a bien servi à mon frère pour ne pas penser les cours rugby, et comme l'a dit Thierry, comme l'a dit Sébastien, et toi aussi, vite après rugby. Donc, on a pris conscience avec mon frère, on a toujours fonctionné ensemble, et on a créé quelque chose tous les deux, que ce soit, on a tenu une affaire pendant 7 ans, un bar-restaurant sur Toulouse, on a monté notre ligne de vêtements, on a fait des investissements aussi dans l'immobilier, pour justement prévenir de cet après-midi. Voilà, pour moi, après, j'étais tellement trempé là-dedans que après, j'ai trouvé mon métier pour quelques années encore, j'espère. Mais le double projet, comme l'a dit Thierry, c'est que ce soit scolaire ou rugbystique, il y a des étapes à franchir petit à petit. Et c'est là où c'est qu'il faut être vigilant, nous les encadrants, pour justement, avec notre expérience, et tous les gens qu'on a croisés à les aider au maximum dans ces deux projets. Les deux dernières questions. Il y avait là, monsieur, je crois. Bonsoir Thierry, enchanté, Natalon, entreprise partenaire de Terrasson. Et je voulais savoir si aujourd'hui, malgré la fin de ta carrière dans le rugby, ça t'arrive de rechausser les crampons et de continuer de faire du sport. Est-ce que c'est quelque chose de dominant dans ta vie aujourd'hui, le sport, pour dans la vie de tous les jours? Oui, c'est le sport reste quand même très important, parce que, comme tout le monde, j'ai des cycles en arrière, des cycles où je fais plus ou moins de sport. En revanche, ce dont je me suis rendu compte, c'est que lorsque je faisais du sport, je me sentais et tout ça, mais en fait, je me sens que c'est parti de moi. J'ai commencé très tôt le sport, à l'âge de 4 ans, donc ça fait partie de mon équilibre. En revanche, le rugby, tu ne me verras pas sur un terme de rugby. Alors, peut-être pas pour faire un peu comment? Ouais, d'accord. Bon, on se faisait pas trop plaquer, mais on a en fait touché comme ça pour rigoler sur des trucs anciens. Mais... On m'a proposé plusieurs fois de faire des matchs, des lignettes. Je veux plus qu'on me plaque, je veux plus plaquer personne. On va faire un toucher de temps en temps pour y voler, pourquoi pas. Mais le rugby, je le vis trop, avec beaucoup trop d'intensité, pour pas me faire mal aujourd'hui.
un vélo ou un enfant, etc. Ça va très bien. Dernière question ? Merci. Alors, bonjour. L'USP a également une équipe féminine. Quel est votre regard sur le rugby féminin et sur notamment l'équipe de France de rugby féminin ? Excellente question d'une maman de joueuse de l'USP. Malheureusement, je parle de l'équipe nationale, ça a été peut-être un peu plus compliqué sur la dernière Coupe du Monde. Elles ont vécu un peu ce qu'on a vécu nous aussi en Coupe du Monde, avec ça, donc c'était compliqué, c'était difficilement à revenir. L'équipe de France féminine, c'est une équipe qui a été quand même motrice. Là, vous savez qu'on parle évidemment de l'équipe de France masculine qui a fait 13 ou 14 matchs, je ne me souviens plus, c'était vraiment l'une des meilleures équipes du monde. Mais pendant très longtemps, c'est l'équipe nationale qui gagnait les équipes de tournoi de destination, qui était très performante, donc elle a été très motrice. Elle a amené des jeunes filles aussi au rugby, ainsi à une politique de la fédération et des clubs qui gèrent ce sport, qui a fait la promotion auprès des jeunes filles. Moi, je trouve ça plutôt sympa de voir de plus en plus de jeunes filles dans les clubs. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'en ai vu pas mal, des jeunes filles à Terrasson. Après, il y a le sujet pour celles qui jouent au plus haut niveau, de savoir comment est-ce qu'elles peuvent pratiquer. Alors, c'est pas... La jeunesse, c'est pas un métier. On participe, donc, on peut pratiquer leur passion en ayant de quoi vivre à côté. Donc, ça reste un enjeu, une grande question pour le... Pour le rugby aujourd'hui à les autres. Dernière question. Oui, bonjour Thierry. Moi, quand je pense à Thierry Sautoir, j'ai une image qui me vient, qui m'a énormément marqué. C'était une phase finale, je pense, de championnat de France avec le Stade Toulousain. Et d'entrée de match, tu fais un chaos. Tu plaques, essayes de te relever, tu retombes. Et je voulais savoir quel souvenir tu gardais de ce. Comment ça t'a toi marqué, comment ça t'a relevé facilement ou pas, je sais pas. Malheureusement, j'en ai eu quelques-uns, j'imagine que c'est le match contre Castres, celui-là, au Stade. Oui, je m'en souviens. Il n'y a pas grand-chose à en dire, effectivement, avec le recul, on se rend compte que la prise en charge de ces KO doit être meilleure. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour justement que les joueurs soient mieux pris en charge. Même si la difficulté de ces KO là, c'est qu'on voit les conséquences que bien plus tard. Je touche du bois, pour l'instant ça va. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas ce qu'il en sera, si j'aurais des séquelles de cette période-là. Mais aujourd'hui, faut comprendre ces expériences-là, c'est qu'aujourd'hui, il faut protéger au mieux les athlètes aujourd'hui. Donc, il faut que l'évolution des règles, même si par nature, elle modifie le jeu et la perception qu'on a du jeu, du combat, dans le bon sens, parce que bon, dans le sens de la santé des joueurs, peut-être même trouver insister encore sur les périodes et les périodes de récupération pour ces joueurs-là qui ont des chocs importants, mais la santé, c'est la chose la plus importante qu'on ait. Donc, je me souviens très bien de ce match-là, donc je dirais que si je me fais mon auto-diagnostic, c'est plutôt bon signe. Mais encore une fois, je pense que c'est l'un des enjeux aujourd'hui du rugby moderne. Alors, comment gérer la santé du joueur avec un rugby qui est toujours plus intense, plus préparé, avec des athlètes qui sont encore avec les différents outils qu'ils ont, encore plus prêts pour le combat, comment on va pouvoir pratiquer leur passion en toute sécurité. Alors, je voudrais qu'on passe à Thomas.
collectivement, mais aussi individuellement, dans le sens où moi je t'accompagne depuis longtemps sur pas mal de projets avec le tube d'ici, qui sont autour de du partage et même toujours de l'humain. Tu m'as beaucoup mis en valeur par rapport à Zozo et je pense que on ne serait pas là aujourd'hui sans toi, sans tout le travail que tu as effectué. Je pense que tu lui as aussi facilité son intégration à Terrasson. Et voilà, toi aussi, je vous remercie tous parce que sincèrement, ce n'est pas gagné qu'il soit aussi bien intégré, qu'il soit aussi heureux d'être là. Et quand je vois sincèrement l'amour que vous lui apportez tous, je tiens sincèrement à vous en remercier parce que ça fait preuve de enfin, ça prend énormément de vous et ça montre la générosité de laquelle on s'est vu dans cette région, donc merci encore. Avant de nous rendre le honneur offert par notre chère mairie de Terrasson, je dis juste deux mots. Tu as dit ici, mais quand il est ici, il n'y a rien fait, ici, mais tu vois, il ne peut rien se passer aussi après. Ce qu'il y a de chouette sur ce qui est en train de se passer à Terrasson, c'est que oui, il y a des initiateurs, pas toujours moi, il y en a d'autres, mais voilà, les gens s'enchaînent après. Ça prend Zozo, il y a l'idée, quelqu'un qui aide. Et puis après, il y a un président qui met en scène, une famille qui accueille, une mairie qui soutient, une communauté qui soutient, un département qui soutient. Je trouve qu'il y a le choc autour de notre projet, c'est que justement, on fédère un peu tout le monde, un peu tout c'est arithmétique, si je peux exprimer ce mot. Parce que justement, je pense qu'il y a plein de gens qui s'y reconnaissent un peu, et on commence pour notre début, mais à faire quelque chose de choc autour de ça, et vous jouez avec des symboles. Et on peut, une deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous savez qu'on a un grand événement le 6 mai à Terrasson, qui sera rassemblé universitaire. Je peux vous être capitaine, mais en fait, je pense que c'est important de prendre l'institut. Et pour nous, c'est important, au-delà de l'événement qui attirera beaucoup de monde, et je remercie vraiment tous les partenaires du club, qui étaient déjà, et c'est certain qu'ils le deviennent à cette occasion, parce que je pense qu'à travers cet événement, tout le monde comprend aussi que ce qu'on fait, c'est aussi moteur qu'on fait le temps. C'est pas. Moi, je dis toujours, je ne fais pas de business ici. Donc, je le fais pour tout le monde. Et on le fait pour tout le monde. On a des gens du club, il n'y en a pas un qui a quelque chose à gagner, à part le plaisir de faire. En revanche, il y a des gens qui ont quelque chose à gagner, d'accord. Il y en a qui commencent à comprendre. Donc, c'est très bien. Et ça veut dire aussi que tout le monde veut y participer. C'est-à-dire qu'on fait pour vous aussi ce qu'on fait. Donc, tout le monde veut être acteur de ça, les entreprises, les élus. C'est ensemble qu'on arrivera tous, c'est pas nous seuls avec nos temps qu'on passe la nuit à s'engueuler sur un truc, ou voilà, on aussi les familles, des jobs et tout ça. Donc, c'est ensemble qu'on arrivera. Donc, descendez-vous pour prendre le terrain, ce sera une manière aussi particulière de la tradition. Dans le moment, il y a des rencontres entre les adversaires et la mémoire, vous savez que c'est important pour nous. Et le dernier, c'est que le 26 mars, avant aussi, le 26 mars, le dernier match à domicile, nous accueillons plusieurs générations d'anciens au club. Donc, il y aura un match avec des retrouvailles sympas. Donc, je vous invite à venir. Merci encore à tous les deux. Merci. Thank you.